Salut à tous, c'est Jake, on est de retour dans Polygame sur Hearthstone, Naxxramas, on va continuer notre petite aventure. La semaine dernière, on a vu le quartier des Arachnides et le quartier de la Peste, c'est le petit bonus. Cette semaine, on va attaquer le quartier militaire. Ne fais pas attention aux pierres de contrôle mental près de Razuvius. A commencer donc par l'instructeur Razuvius, et pour tenter de battre. On va sortir le prêtre. C'est plus intéressant de sortir le prêtre, je pense, contre ce boss. Le chargement est un petit peu long. Contre instructeur Razuvius. Vous auriez dû rester chez vous. La lumière nous apportera la victoire. Pour cette première pioche, ça reste relativement moyen. Sachant qu'on a une carte en plus exceptionnellement pour ce boss. Petite historique vite fait, l'instructeur de Razuvius, c'est donc le premier boss du quartier militaire dans Naxxramas. Naxxramas, je le rappelle, c'est aussi un raid en World of Warcraft. Ce boss a la particularité qu'il a deux acolytes avec lui. Et pour taper le boss, en fait, on va devoir prendre le contrôle des acolytes en cliquant sur les cristaux qui sont dans Naxxramas. Donc ils ont repris l'idée ici sur Hearthstone en utilisant cette carte là, c'est la première à utiliser absolument de suite. Mes disciples, rendez-les-moi ! Car ce sont justement des provoques. Bien joué. Voilà, c'est juste pour le troll. Je suis juste en train de m'échauffer. Donc on lui a piqué deux provoques, il faut essayer à tout prix de les garder. Et on a utilisé notre cristal de mana, donc on va lui laisser son tour. Donc voilà, donc on prend le contrôle des sbires, et via les sbires, enfin ce que j'appelle les sbires c'est les acolytes, rien d'autre, hein, les doublures, on va pouvoir taper ensuite Razuvius dans le raid de Naxxramas sur World of Warcraft. Ça c'est pour la petite histoire. On revient à notre partie, à notre plateau. Alors là, clairement, on va doubler les points de vie d'une des provoques. Il faut absolument qu'on garde les provoques jusqu'à la fin. Par contre, ça nous emmerde un petit peu. Ça nous emmerde un tout petit peu. Donc soit on lui met 5 points directement, soit on sort la provoque, la Hansana là, qui sert pas à grand chose parce qu'on en a quand même deux jolies. Soit on fait ça, on détruit son serviteur, et c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en plus il a un râle d'agonie intéressant, qui nous permet d'invoquer une des cartes de notre pioche. Et il nous reste encore un point de mana, donc on va sortir la provocation. Bon, s'il a envie, ça lui fait plaisir. 4, il n'y a rien, on n'a pas besoin de ce heal, on n'a pas besoin de ce heal là non plus. Donc bon, on va y aller tranquillou. On va lui mettre 5 points de dégâts, on va l'attaquer avec ça. Bon, il nous reste 2 points, on peut pas faire grand chose mis à part ça, donc c'est ridicule, mais bon, histoire 2, comme ça on a utilisé les cristaux, on est content. Et on lui laisse son tour. Ça par contre, c'est chiant, clairement. C'est chiant parce que cette arme, la sienne, cette particularité, donc elle inflige 5 points à une des cartes qu'on a sur le plateau. Sauf que s'il nous attaque à nous, il nous inflige 10 points. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des provoques. Sinon, bah, il fait très mal. On continue soit dans la provoque, soit +1/+1, donc là on aurait une carte 7-7. Ou alors... Bah on va sortir ça, comme ça on a la carte 7-7. Et... parce qu'il va nous faire chier, donc on va l'utiliser de suite. Comme ça on récupère de la vie sur cette provoque là. Travail terminé. Pas content. Sur moi tes mots à l'oreille. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il survive longtemps lui en fait.
Soit on sort ça et on va s'amuser un petit peu, soit on continue la provocation et en plus on gagne un petit PV. Moi j'ai envie de continuer la provocation et de gagner un PV en plus. Sachant que celle-là, clairement, elle saute dès qu'il reprend le tour. S'il est intelligent. Aux armes ! Voilà. Ça, c'est pas très malin, par contre. C'est aléatoire ? Ah non, c'est même pas aléatoire. Lui, par contre, il est intéressant. Comme ça, on va pouvoir faire un peu de ménage sur son plateau. Bon, on va voter, invoquer Maxna. C'est le dernier boss du quartier des Arachnides qu'on a vu la semaine dernière. Et en plus, on va prendre une de ces cartes qu'il y a dans la main. Ok, en fait, on va pas la jouer du tout. Sinon, on perd tout. Donc, non, clairement, non. On va continuer à l'attaquer. Est-ce qu'on continue à l'attaquer ou pas? Alors, attendez. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parce qu'il y a lui qui... Non, on va l'attaquer. Ah, ça c'est méchant. C'est méchant. On va virer. On va virer son nécro chevalier avec Maxna juste après. On va relire Sérale d'agonie vite fait. Donc ça, ça lui inflige 3 points de dégâts à lui si je le tue. Ça, c'est moi qui pioche une carte si je le tue. Et là, c'est de faire du ménage. Alors, première chose à faire, on va faire du ménage. Voilà. Ensuite. Non, ça, non, ça, on est lundi, on le joue pas. Ça, on va le jouer. On va récupérer un peu de vie sur Maxna. D'entraînement. Voilà. On va le garder, ça peut être utile. Alors pour juste une petite anecdote, très rapide, le temps que lui m'attaque, il fasse n'importe quoi. Pourquoi il fait ça? Vous me rejoindrez tous dans la mort. D'accord. Ouh, intéressant. Donnez-moi de l'acier. Ok. Attendez, je reviens pour une anecdote juste après. Ok. On va faire du ménage. Alors, pour l'anecdote. Là, j'ai un dos de carte un peu spécifique, je sais pas si vous le voyez. C'est un dos de carte que j'ai eu grâce à Heroes of the Storm, l'autre jeu de Blizzard, c'est le MOBA. Si on dépasse le niveau 20, je crois que c'est niveau 20, dans Heroes of the Storm, il nous offre ce dos de carte sur Hearthstone. Et si on fait plus de 100 victoires en partie sur Hearthstone, on gagne une monture sur Heroes of the Storm, qui représente un dos de carte, une sorte de tapis volant, un dos de carte de Hearthstone. Voilà. C'est joli, c'est sympa, c'est bon, voilà, vous faites ce que vous voulez avec, c'était l'info du jour. Alors, Naxna, on la dégage, mais lui, on le dégage aussi. C'était rigolo. Détruire lui. Mes yeux sont grands ouverts. Et on n'a pas fini. Et c'est pas fini. Et on a gagné, car 5 et 2, 7. Et qui va former mes chevaliers de la mort maintenant? Je ne peux pas le faire, je suis super occupé. Voilà pour cet épisode, on se retrouve de suite. Donc de suite, c'est-à-dire dans un instant, sur notre vidéo avec le boss suivant. Je vous en parle juste après ça. Pensez à regarder les liens qui défilent sur l'écran pour nous soutenir et nous suivre et être tenu au courant de toutes les infos, patati patata, etc. Allez, bisous, tout ça.